Je m'appelle Michael Damperon et je suis le réalisateur du film documentaire « Des cailloux dans la chaussure ». Alors l'idée du caillou dans la chaussure, c'est quand je me suis rendu compte que les porteurs du projet ou les opposants au projet ne parlaient pas la même langue. Donc ne pas parler la même langue, au bout d'un moment, ben, ça pose un problème, ça empêche de communiquer, ça empêche d'avancer. Et pour moi, ce qui se passait là, c'était que chaque partie était un caillou dans la chaussure de l'autre. Donc c'est pas seulement les opposants, les villageois, les gens qui se sont mis face au projet qui sont des cailloux dans la chaussure pour le porteur du projet, mais c'est aussi le porteur du projet qui vient perturber la tranquillité, la vie des habitants de ce territoire. Donc c'était ça. J'ai décidé de réaliser un film, pas tout de suite, c'est-à-dire que d'abord, je travaille à Saint-Nazaire-en-Royans, je suis dans un bureau partagé, de travail partagé, un espace de coworking qui se trouve exactement entre le Mont Vani, qui était concerné par le projet de carrière, et le cœur du village. Donc j'étais au courant qu'un projet de carrière était en train de se mettre en place. Quand le 6 janvier, le dossier d'impact du projet est apparu, les habitants se sont rendus compte que ce n'était pas du tout le projet de carrière qui était prévu et qu'il était d'une ampleur beaucoup plus importante. Ils ont demandé à ce qu'il y ait une réunion publique qui soit organisée entre le porteur du projet, la personne qui s'occupait de l'enquêteur public, et puis eux, la population. Et ça s'est passé dans la salle des fêtes qui est juste à côté de mon bureau. Alors moi, j'ai pris ma caméra et je suis allé en me disant « bon, bah, je viens filmer et puis on va voir ce qui se passe ». Suite à cette réunion qui ne s'est pas très bien passée, donc je reviens à ce que je disais, cette idée des cailloux dans la chaussure, je me suis rendu compte que entre les porteurs du projet et la population, il n'y avait pas de communication possible, qu'ils ne parlaient pas la même langue et que ça soulevait des questions qui étaient importantes. Quand j'ai entendu les gens dire qu'ils n'étaient pas au courant de l'ampleur du projet qui quand même partait pour 30 ans et que leur maison était à 40 mètres, je me suis demandé comment ça se fait. Est-ce que c'est possible que les gens ne soient pas au courant d'un tel projet alors qu'ils habitent juste à côté? C'était une question importante. Ça m'a interpellé. Je me suis dit, mais comment est-ce que, si moi, par exemple, il y a un projet comme ça qui arrivait chez moi, est-ce que j'aurais le temps, en plus de ma vie de tous les jours, de me plonger dans un dossier de 800 à 1000 pages qui est écrit par des spécialistes, des écologues, des géologues, des hydrogéologues, des naturalistes? Et est-ce que je vais même le comprendre? Et ensuite, je dois faire des retours à un enquêteur public qui est là trois demi-journées par semaine à la mairie pour dire ben, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce qui est dit ou ça me pose une question à tel endroit. Ce process-là de fonctionnement questionne. Nous, on veut un moratoire, on veut du temps pour pouvoir étudier ce projet, ce qui s'entendait. Or, ils n'ont pas eu de réponse. Ils n'ont pas eu de réponse ni de la part de la mairie, ni de la part du porteur de projet. Donc voilà, il y avait une colère qui était là et qui s'est transformée derrière, puisque les élections municipales arrivaient. Il y a eu une liste d'opposition qui s'est montée pour venir contrer la liste municipale en place qui, elle, portait ce projet. Voilà, donc moi, quand j'ai vu ça, quand j'ai vu qu'une liste d'opposition se mettait en place, quand j'ai vu qu'une association de riverains se mettait en place pour travailler plus sur le côté écologique, mais aussi juridique, j'ai compris que les enjeux de ce petit les enjeux que posait cette lutte dans ce petit village, finalement, dépassaient largement le territoire de la mobilisation. À mesure que je voyais ce qui se passait, je me suis dit entre le problème de gouvernance, le bien commun, qu'est-ce qu'on en fait, la préservation nécessaire de la nature, puisque c'est même plus, j'en parle, mais tout le monde en parle aujourd'hui. Si je suis la mobilisation des habitants, le film va être traversé par ces questions. Donc c'est là où je me suis dit
voilà, du stade de projet, je vais prendre du temps et je vais suivre la mobilisation jusqu'au bout. Il se trouve qu'en plus, à la fin, les habitants gagnent leur combat, ce qui est très rare. Moi, je trouve ça positif, pas uniquement parce que les habitants gagnent contre un industriel, c'est pas uniquement les gentils qui gagnent contre le méchant. Je trouve ça positif parce que ça montre que le citoyen peut encore peser dans le processus de décision. Ce qui était assez beau, c'était de voir que le collectif qui s'est créé, et pas seulement l'association, mais plus largement des gens qui se sont mobilisés, ont mis à profit leurs compétences pour pouvoir aller questionner le projet. Donc exactement comme vous dites, c'est d'un point de vue juridique, parce qu'il y avait des juristes qui étaient là. D'un point de vue écologique, parce qu'il y avait des spécialistes de l'écologie qui connaissaient eux-mêmes des naturalistes qui sont allés observer le Mont Vanier et dire, mais si, si, contrairement à ce que dit le projet, il y a bien des hiboux grand-ducs, un couple qui niche et qui fait des petits tous les ans depuis un moment maintenant. Donc oui, ça a été une force qui s'est créée, c'est-à-dire des individus qui ont mis leurs compétences au profit de cette mobilisation, qui ont créé un collectif solide. Moi, j'ai appris énormément de choses. J'ai appris ce que c'était qu'une ICPE, une installation classée pour la protection de l'environnement. J'ai appris comment fonctionnait une enquête publique. J'ai rencontré des gens qui habitent autour de chez moi que j'aurais pas rencontré. C'est exactement ce que disent les gens qui se sont mobilisés contre ce projet, hein. Ça leur a permis d'aller vers, de rencontrer. Donc moi, j'ai appris beaucoup de choses et c'est aussi ça. C'est aussi ça que je trouve intéressant dans le film, c'est-à-dire que je ne vais pas en faire un film pédagogique, mais j'ai envie qu'on puisse, qu'il permette aux spectateurs de comprendre comment fonctionnent ces études d'impact, ces installations classées pour l'environnement, ces demandes de destruction de la nature, parce que c'est ça, hein, on demande des dérogations pour détruire un environnement. Moi, je ne connaissais pas ça avant. Je ne savais pas du tout comment ça se passait. Et des projets comme ça, en France, il y en a énormément et partout. Si la fin avait été différente, oui, j'aurais quand même fait le film, sauf que sauf sans Happy End. Derrière, c'est pas la même. Derrière, je ne suis pas porté de la même manière par les gens qui. Je pense que je n'aurais pas été porté de la même manière par les gens qui ont participé. Je pense que le message d'espoir que va porter ce film. Aurait pas existé de la même manière. Oui, ça aurait changé, ça aurait même changé le déroulé du film. C'est-à-dire que quand la fin, si la fin est la victoire, je raconte pas la même histoire pour y arriver. Bah, c'est-à-dire que pour moi, le temps de la contestation, il est celui qu'on a connu, qui a duré une année. Mais l'idée, c'est pour moi, faire un film permet aussi d'aller au-delà D'accord. de ce qui s'est passé. C'est que le film devienne aussi un support à réflexion sur les questions qui sont traversées à l'intérieur de ce film. D'accord. Et notre rapport à la nature, la gouvernance, essentiellement, quoi. Et donc, que ce film soit support dans le sens où, derrière, il puisse être accompagné par des gens dont c'est le métier, des spécialistes qui puissent revenir sur. Alors, ce besoin de cailloux, qu'est-ce que ça signifie? Quel impact ça a vraiment? La gouvernance, comment est-ce qu'on peut faire autrement? Comment on introduit des nouveaux outils? J'aimerais que ça puisse être ça. Ouais. Le cinéma documentaire abordé comme ça me plaît beaucoup. Merci, Michael. Mais de rien, merci beaucoup.